Mon plus grand désir d'acteur, c'est de faire des films destinés à faire rire à la fois les enfants et les parents dans ce monde trop triste. Bienvenue donc dans ce reportage dédié à Louis de Funès. On se retrouve donc au Moulin de Grimaud pour montrer ce côté rural et assez rustique qu'affectionnait particulièrement Louis de Funès. Louis de Funès, en effet, dans sa vie privée, avait une affection particulière pour le jardinage, pour sa nature et aussi pour les fleurs, dont notamment une rose lui a été dédiée à son nom. Également, Louis de Funès contraste beaucoup à sa vie, vis-à-vis de sa vie privée et sa vie professionnelle. Au niveau du cinéma, il apparaît comme quelqu'un d'excentrique, alors qu'au niveau de sa vie privée, c'était quelqu'un de très discret, de très timide, même de très réservé. Et justement, ça reste avant tout un acteur des plus performants et les plus charismatiques du cinéma français. Il y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à distinguer le faux du vrai et qui aimait ou condamné. Nous voici donc à Ramatuelle pour ce reportage consacré à Michel Berger. Dans les années 80, Michel Berger s'est fait remarquer pour son côté engagé, notamment auprès de Daniel Balavoine pour l'association Action École en Afrique et aussi au Resto du Cœur avec Coluche. Ensuite, il continue toujours ses compositions auprès des artistes de la chanson française. Je pense notamment à Quelque chose de Tennessee pour Johnny Hallyday et Françoise Hardy avec la chanson Message Personnel. Il n'oublie pas pour autant sa muse, France Gall bien sûr, pour la chanson Des Branches, Résiste et Babacar entre autres. Il continue toujours aussi de chanter avec des chansons telles que Le Paradis Blanc, Voyou, Mademoiselle Cheng et aussi Le Prince des Villes.